Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. J'ai découvert une fonction iOS 14.5 sur la release candidate et franchement les amis, c'est le top. Elle est accessible à tous. Vous allez découvrir ça dans cette vidéo. Je suis tellement content de vous présenter cette petite astuce pour tous. Vraiment, c'est ultra génial. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre Vision High Tech. Ça se passe ici et cliquez sur la petite cloche. C'est entièrement gratuit, ça encourage et ça permet d'aller encore plus loin ensemble dans les nouvelles technologies. Surtout, pensez bien à ce soir sur cette vidéo unboxing les derniers écouteurs de chez Soundpeat, les T2 équipés d'ANC. Je vous les offre. Il faudra donc être abonné à la chaîne Vision High Tech. De commenter, ça fait partie du concours du mois. Vous savez que je fais un concours tous les mois et ce mois-ci, le 4 mai, je vous fais gagner ces écouteurs Bluetooth 5.1. Allez, donc on va parler tout de suite de cette toute nouvelle fonction. Vous allez voir, vous allez kiffer. Allez donc les amis, je vais vous montrer cette petite astuce sous iOS 14. Une petite cascade, une petite roue. C'est parti, allez. Yeah, c'est parti. Voilà donc les amis, cette astuce est entièrement accessible à tous, que vous utilisez VoiceOver ou pas. Cette astuce est apparue sous la release candidate iOS 14.5. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec la version officielle. Et cette astuce fonctionnera avec n'importe quel iPhone. Donc tout simplement, vous lancez un appel. Numéro masqué, numéro masqué. Prendre l'appel. Bouton. Dit Siri. Décrocher. Dis Siri, décroche. Je ne peux que répondre aux appels entrants ou les refuser. Dis Siri, réponds. Je ne peux que répondre aux appels entrants ou les refuser. Numéro masqué, numéro masqué. Prendre l'appel. Dis Siri, réponds. Et regardez-moi ça. Et en fait, aujourd'hui, lorsque vous allez demander à Siri de décrocher votre iPhone, il va être capable de le faire seul et de mettre votre iPhone en mode haut-parleur seul. C'est ultra génial. Alors que votre iPhone soit allumé ou que votre iPhone soit éteint, ce qu'on va faire tout de suite, vous allez voir, ça fonctionne. Que vous ayez VoiceOver d'activé ou que vous n'ayez pas VoiceOver d'activé, ça fonctionne aussi. Et ça décrochera tout seul en mettant le mode haut-parleur. Super génial, non? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle fonctionnalité et d'une telle nouvelle fonction sur votre iPhone. Pensez surtout à liker et à partager cette vidéo. C'est ultra important, les amis. Allez, on fait le test iPhone éteint. Dis Siri, réponds. Et comme vous pouvez voir, ça va vraiment fonctionner, même écran fermé, iPhone éteint, on pourra répondre via le contrôle vocal. C'est franchement ultra génial, ça va fonctionner dans tous les sens, pour tous, que vous ayez VoiceOver ou pas, et ça, je trouve cette fonction ultra géniale pour les personnes à mobilité réduite qui vont vouloir décrocher par contrôle vocal. Ça va mettre en plus l'iPhone automatiquement sur le mode haut-parleur. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire d'une telle nouvelle fonction. On n'a besoin d'aller faire aucun réglage. Tout se fait par la voix, directement par Siri. Allez, je compte sur vous pour vos petits likes, pour vos partages. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà iOS 14.5 en bêta. Si vous avez testé cette fonction, dites-moi en commentaire si elle fonctionne chez vous. Et je vous fais donc des gros bisous, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous !